5, 6, 7, 8, 9, 10. Leçon préparée par maîtresse Qatar, groupe scolaire Ange Bleu. Niveau CP. Bonjour maîtresse. Bonjour les enfants. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui les enfants, nous allons apprendre à poser une addition en colonne. Voici une addition. Il va falloir que nous ajoutions 12 à 24. L'objectif est de savoir combien est-ce que cela fait en tout. Cette addition est une addition qui est posée en ligne. Voyons 24. On a 2 dizaines et 4 unités. Maintenant, 12. On a 1 dizaine et 2 unités, comme vous voyez. Pour bien poser une addition en colonne, j'ai une petite astuce que je vais vous présenter. Nous allons imaginer une petite maison ange bleu. Nous avons 2 nombres à ajouter. Notre maison aura donc 2 étages et 2 escaliers. Un escalier pour les unités et un autre escalier pour les dizaines. Observons le nombre 24 d'un peu plus près. 24, c'est 2 dizaines et 4 unités. Le chiffre 4 va emprunter l'escalier des unités et monter jusqu'au deuxième étage là où il habite. Le chiffre 2, qui correspond à 2 dizaines de 24, va emprunter l'escalier des dizaines et se placer au deuxième étage. Passons à présent au nombre 12. Observons le nombre 12. 12, c'est 2 unités et 1 dizaine. Le chiffre 2 va emprunter l'escalier des unités et aller à sa fenêtre au premier étage. Le chiffre 1, qui correspond aux dizaines, va emprunter l'escalier de dizaines et se placer également au premier étage. Et voilà, ton addition est posée. Les unités sont les unes en dessous des autres et c'est la même chose pour les dizaines. Faisons disparaître la maison à présent. Tu ne vas pas dessiner une maison à chaque fois que tu voudras poser une addition en colonne. Mais il faudra que tu y penses pour placer tes nombres. C'est très important. D'ailleurs, tu devras utiliser les carreaux de ton cahier. Un chiffre par carreau, comme sur la photo. Maintenant, nous allons pouvoir passer au calcul. Tu vas voir, c'est très simple. On va commencer par les unités. On a 4 et 2. 4 plus 2 égale... Bravo, c'est 6. Très bien les enfants. Maintenant, passons aux dizaines. 2 plus 1. Alors les enfants, bravo, c'est bien 3. Alors 2 plus 1, c'est 3. Très bien les enfants. Et voilà, mon addition est terminée. Je vois bien le résultat. 24 plus 12 égale à 36. Il ne te reste maintenant qu'à t'entraîner avec ta maîtresse ou bien ton papa et ta maman. À bientôt!
Thank you.